Et crois que je te vois pas, Naya, ta petite caméra. Bonjour, salut. Salut Clotilde. C'est Cassandra. Écoute, petit message pour te souhaiter un joyeux anniversaire à toi et tous tes amis. Désolé de pas avoir pu venir, mais j'ai un paquet de boulot. Tu te doutes? Allez, gros baiser. Et où le dédé? Ni, 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 ni. Oh, la petite Fifi. Elle fait sa petite Fifi, la Fifi. Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Tu es tendre, tu es compatissante. Oh, je veux mourir! Tu es tout ce qu'on peut attendre d'une amie. Personne. Et voilà, je t'aime fort et je souhaite vraiment que tu aies tout ce que tu désires parce que vraiment tu le mérites. Oups! Tu es vraiment une personne en or. Bonsoir, ma femme me bat. Soirée de ouf parce que Jean-Jacques et Véronique, c'est ça Véronique? Joyeux anniversaire petit. Je suis bien. Un cas comme ça qui est apaisé, qui est détendu. Ça fait du bien d'être détendu dans la vie. J'ai 27 ans et en 27 années de ma vie, il y a que ce soir où je me suis enfin relâche la pression. Ouais bah écoute, je passe plutôt une bonne soirée. Plutôt bonne soirée parce que j'aurais pu peut-être dire très bonne soirée parce que non, dans la soirée qui me cache les couilles quoi. Je peux pas avoir cette tête de co. C'est Marco. Marco là, il me sort par les trous de nez, là, à faire son mot, là, ça y est, monsieur a la même coupe de cheveux que moi, ça y est, ça se la pète. Ça se met les chemises à fleurs. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Oh merde! Ah! Petite coupe de beurre! Manque plus que. Qu'à la mèche? Mèche à la mouche! Lance! Et là, allez, attends! Attends! Ça mord pas! Ça a ferré ou pas? Ça fait? Non, ça sert pas! Ça a pas ferré! Ferré, il est au tennis! Il avait une ferré! La pipi, viens me voir, je vais te toucher la... Bonjour, je suis le docteur Ivano Djomevic et je suis responsable de la partie chimique de l'agence touristique. Nous sommes au troisième jour du lancement du virus. Il n'y a déjà plus personne sur Terre. Les virus attaquent 50% de la population. Tout le monde s'est fait avoir. Tout le monde. Nous n'allons pas survivre. Je continue mes recherches. Je continue mais... Je pense que... Cela ne va pas suffire. Il me reste encore... quelques mois... à vivre... avec... les ressources qui sont à ma disposition. Je suis tout seul... dans le bunker. La ville d'Atlanta est prise complètement. New York, terminée. Los Angeles, n'en parle plus. Je suis un des seuls survivants dans cet état. J'espère que si vous m'entendez, si vous retrouvez la vidéo, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Bonjour, oh, j'allais où cette chaise?
Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je tenais à dire qu'on passe une très bonne soirée. Excellent. Oh yeah! Moi, je voulais dire que je voulais remercier tout le monde pour être venu. J'espère que tu passes une bonne soirée d'anniversaire. C'est Gilbert qui te dit. Oh yeah! Et puis voilà, moi, je voulais dire, je voulais en profiter pour passer un petit message. Je tenais à dire que j'étais contre la misère, contre les enfants qui sont dans le monde et qui ne mangent pas. On ne peut plus aujourd'hui, en 2007, être encore dans une situation comme ça. Non, non, non. En tout cas, je te dis un truc aussi. Profite bien de ton anniversaire et reste en liberté. Mais alors, Dudu, tu viens plus soirée? T'as tort? On fait de la pêche. Le Claude, pour ton anniversaire, j'ai décidé de te faire une petite sculpture d'un beau corps masculin et j'ai demandé un modèle, je crois qu'il toque à la porte là, un modèle renommé sur Nancy qui vient entrer, qui vient poser pour toi ce soir. Bonjour monsieur. Bonjour Charlie. C'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, je suis modèle. Oui. Donc je me suis permis de me changer avant. Oui. Bah, vous allez pouvoir venir et puis enlever votre peignoir parce que là, avec le peignoir, ça va pas se faire. Attendez, pardon. Oui. Excusez-moi. Ah, effectivement, belle muscu là-dessus. Merci. Tu vas être content, Claude. Alors. Ah, ouais, mais là, il va y avoir un problème quand même. Parce que... Pardon ? Là, il va y avoir un problème. C'est quoi ? Je veux pas avoir assez de terre. Pour mon sexe ? Et le reste ? I come from Boston. Non, en fait, j'habite à Liverdun. 25 ans, c'est pas rien. Moi, j'en ai 28 et je te dis, c'est pas drôle, donc profites-en bien. T'as une bonne fine équipe. On est jaloux, c'est pour ça qu'on essaie de te squatter et qu'elle te téléphone tous les vendredis soir. Alors, Claude, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Claude? Docteur Limanovitch, le 23e jour, après le lancement du virus, j'en peux plus, les gens sont fous. Les gens sont fous. Je les ai vus en bas faire la pêche à la vigne. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais je peux vous dire que ça va être dur. En tout cas, je continue mes recherches pour éradiquer cette menace mortelle pour l'humanité. Je sais pas combien nous sommes sur Terre. Je sais pas. Je sais pas s'il reste une once d'humanité dans l'humanité. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, je vais continuer tant que j'aurai de la réserve. Tant qu'il me restera des vivres. Je vais continuer pour chercher comment battre ce virus mortel. S'il reste des gens vivants, contactez-moi sur la bande FM au 102.3. Je ne sais pas comment. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Coucou Chloé, je voulais te dire que je suis très contente de te connaître. Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Moi. 5 minutes. Et encore plus d'être là pour tes 25 ans. La belle de Calissa, les poils de vélo. J'espère que tu t'en souviendras longtemps. Et surtout, ne change pas. Encore bon anniversaire. Oui, 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 oui. On est à l'anniversaire de Clotilde 25 ans. Je l'aime ce jeu, je l'aime ce jeu. Je l'aime ce... Trois candidats en face, un indice en bas chez vous. Je suis dans une petite bourgade à pleine maison. Je fais une soirée pour celui. Je suis l'anniversaire de Clotilde. Oui, ah oui, oui monsieur. Wouh, wouh. À la Wagba, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait quoi? Il faut peu de trucs pour être heureux. Moi, on me donne un sac plastique au champ pour mettre au-dessus de moi pour la pluie. On me donne des lunettes de soleil qui cachent pas de soleil. Je suis bien. Si, croyez-vous. Croyez quoi? Hein?
Il s'est confessé, quoi. Alléluia. La vague. Tout d'abord, bonjour. Moi, je suis chanteur de dancehall. En bas des plans. En poses-tu? Où la caméra? Elle est où la caméra? Elle est là. Alors, pour la présentation de la table. Au sujet du repas. Merci Jean-Jacques. De la bonne bouffe. De la bonne souplette. Et de la bonne vinasse. Pour l'animation faite par Marco. Par contre, j'ai Sophie. Elle est chaude à chaque chanson, elle est prête à remonter de même sort. Mais il y a une chose qui va pas plus dans la soirée, c'est que d'habitude le carpet il soit à poil. Donc pas ce soir. J'attends pas du gros carpet pour le moment. Donc j'attends qu'il se réveille un petit peu. Docteur Ivan Ivanovitch, on est au 103e jour depuis le départ du virus. Comme j'ai dit avant, les gens sont fous. J'ai vu une femme mettre une selle à son... J'ai vu une femme mettre une selle à son copain pour pouvoir marcher, pour pas qu'elle se fatigue. C'est dingue. On est fous. Je continue d'analyser des tests sanguins, des analyses de cerveau sur des cadavres trouvés à l'extérieur. Je sors de temps en temps pour voir la lumière du jour et me dire que je suis encore un homme. Mais en tout cas, je peux vous dire que malgré ce monde cruel, j'essaye de rester humain. Mais c'est pas facile tous les jours. J'ai des armes, plein de munitions. Les gens s'abattent entre eux, se tuent. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment sauver l'humanité. Je sais pas ce qu'on va devenir. En tout cas, moi je peux vous dire que je serai là, je resterai là, je serai toujours là pour vous aider. J'espère que quand vous trouverez cette vidéo, vous direz que le docteur Ivanovitch était là pour faire des recherches. On va se mourir. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais... J'ai beau faire ce que je veux. J'ai beau faire ce que je veux. Je peux pas. J'arriverai pas à sauver l'humanité, la terre. Ces choses qui sont là dehors, qui se mettent des selles sur le dos, qui pêchent à la ligne dans des caisses, des choses emballées dans du journal. C'était le père Ivanovitch. Merci à vous. Mais reconnais quoi, ta fille a piqué mon fils. Non mais c'est sûr, bon, elle avait un peu de charme, d'accord, mais je pense pas qu'elle l'ait piqué, c'est lui qui a voulu, tu vois, il lui a sauté dessus, je me rappelle à la soirée là. Ah, je suis désolée, écoute, ta mère l'a déchiré à moi. Non mais j'ai compté, ça fait 9 ans. 9 ans. Non, au bout d'une année, moi je croyais que ça serait... Et pourvu qu'il ne fasse pas... Oh, attends, déjà, imagine le petit, parce que déjà... Ils se réveillaient tout le temps en retard, tous les deux. Tu leur mets un réveil à tous les deux, mais il y en a deux réveils. Ils ont acheté un appart. C'est pas possible, ils vont se paxer. Oh non, ah merde, on peut peut-être empêcher ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le feu à la cité judiciaire. Oh, ça c'est une bonne idée. Parfait, on peut faire un truc comme ça. C'est une aguicheuse. Voilà, elle dit pas ça quand même, attends, c'est une aguicheuse. Attends, elle fait comme ça, faut quand même. Oh, salut, compagnie. Bah, je me présente, je suis nommé Kevin, je m'appelle le sanglant. Et je vous présente mon camarade DJ. Mon camarade de galère DJ. La lame d'acier, on l'appelle. Isaac. Parce que lui quand il a un problème, il sort son couteau. Et il défonce. Nous, on n'est pas les fiertés d'eau, les fiertés qui se travaillent en. Donc, on nous a appelé pour faire la sécurité dans une boum. Là-bas, on a un cours. Ouais. Et en fait, ça fait moins d'aller des arabes, pour dire.
Ouais, pour dire, il y a des arômes, Didier se souvenait de ça. Didier, je peux te dire que Didier a cassé une tapis. Eh, nous on a pas peur, le tapis. Ah, nous on tapis, nous on peur. Nous, Rodolphe, nous on t'en fout, nous on a rien. Oh, des hommes, en vrai, des vrais hommes. Pas un boy. Un boy, Pélie. Et alors, tout ça pour vous dire que si vous me voulez pour une soirée pour faire le visio. Ah, Sénégal, je n'ai pas pu monter pour ton anniversaire. Je te fais un gros bisou. Si tu peux me faire joindre un livre, une pièce d'identité et un cabis pour que je vienne donner à Jean. Pour te faire un gros cadeau et de la chanson. C'est l'anniversaire de Clotilde. Amen, bienvenue, tu m'as poussé 25 ans. Bonjour, je suis le docteur Ivan Ivanovitch. Ça fait 206 jours que le virus est apparu sur Terre. Comme j'ai dit, la fin de l'humanité est proche. Dans ma dernière vidéo, j'étais perdu, fébrile. J'avais l'impression d'avoir perdu tout espoir. Cependant, j'ai pris une once d'espoir parce que j'ai fabriqué un robot qui me permet d'aller voir l'extérieur sans mettre ma personne en danger. J'ai retrouvé des personnes vivantes qui ne sont pas atteintes par le virus. Donc je vais vous présenter l'une d'elles. Merci d'être présent. Ça va. Je suis plus tout seul. Moi, c'était pas fastoche. Non. Et ce qu'il va nous raconter, ce qui s'est passé à l'extérieur. Je ne l'ai pas vécu. J'étais protégé par mon bunker. Lui était seul, dehors, face à cette menace. Donc je laisse se présenter déjà. Et explique-nous ce qui s'est passé. Ah, je suis dégoûté, j'ai perdu le CD de Kenji. Je suis une princesse. Et t'arrêtes. Si je te demande un cocktail, tu me sers un cocktail. Parce que j'ai le diadème, alors je suis une princesse. Oui, monsieur. Oui, alors d'accord Clotilde, ce soir t'es la reine, mais moi je suis une princesse. Oui, et je vous présente mon serviteur. Bonsoir. Siegfried. C'est un serviteur allemand. Ah. Il a un très fort accent allemand. Ya. Yeah. Mais si je lui demande ce que je veux, il me sert ce que je veux parce que je suis une princesse. Oui. Siegfried, yeah. Donne-moi à boire. Et dépêche-toi, Siegfried, j'en ai marre d'attendre. Oui, oui, monseigneur. Dépêche-toi, Siegfried. Tenez, monseigneur. Merci, Siegfried. Mais je vais pas boire au goulot. Une princesse ne boit pas au goulot. Comment je vais faire? Vous mettez un verre, monseigneur. Ou alors je peux boire au goulot, mais que quand je suis en présence du prince. Bon, on peut me dire que c'est moi le prince, sinon. Alors je vais boire au goulot. Oui. Dites l'autre. C'est très bon. Oh. Merci, Siegfried. Je vous en prie. Siegfried, sors, nous allons faire l'amour avec le prince. Mais c'est moi le prince. Non, Siegfried, t'es trop moche pour faire le prince. D'accord. Tu ne peux pas faire le prince, je suis une princesse. Est-ce qu'on peut... Tu as les oreilles difformes, le visage de travers. Je ne peux pas t'accepter en tant que prince. D'accord. Alors oui, Dame Clotilde est la reine ce soir. Ah oui. Oui, c'est vrai. Voilà, oh. C'est son anniversaire. Dame Clotilde est la reine. Toute la cour est autour d'elle pour tous les servois. Toute la cour. Mais je peux vous dire... Alors là, quand ce sera le mien, je serai la reine, je serai la princesse du comté de ces bois. Mais je suis déjà une princesse parce que j'ai le diadème. C'est un diadème en argent, agrémenté de cristal Swarovski. Oui, monsieur. Ah, c'est du toc. Pense-moi. Je m'en vais de ce pas, compter les comptes.
Je vous laisse, Siegfried, devant la caméra. Non, mais non, je suis trop timide. On peut faire un truc normal, ça m'en fait pas. Je suis une princesse. Claude, ce soir, tu es la reine. Et nous, on est les princesses. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mis sonidos te caliento. Ay, sube, sube, sube la...